Alors, avec le sourire, nous allons faire une petite dictée, d'accord? Alors, la dictée est un texte qui est extrait des Misérables de Victor Hugo. Donc, vous prenez votre papier, vous prenez votre stylo, et je vais faire une lecture pour donc de l'orthographe. Alors, on commence. Quand il eut tourné l'angle de la galerie, virgule, la lointaine lueur du soupirail disparut, virgule, le rideau d'obscurité retomba sur lui et il redevint aveugle. Point. Il n'en avança pas moins, virgule, et aussi rapidement qu'il put. Point. Les deux bras de Marius, nom propre donc majuscule, étaient passés autour de son cou et les pieds pendaient derrière lui. Point. Il tenait les deux bras d'une main et tâtait le mur de l'autre. Point. La joue de Marius, nom propre donc majuscule, touchait la sienne et s'y collait. Virgule. Étant sanglante. Point. Il sentait couler sur lui et pénétrer sous ses vêtements un ruisseau tiède qui venait de Marius. Point. Alors, chose importante, quand vous allez faire votre dictée au niveau du bac ou autre, on commence par une majuscule, on finit par un point, on peut avoir des petites virgules entre eux, et la phrase a un sens, d'accord? Première chose. Alors, cependant, une chaleur humide à son oreille que touchait la bouche du blessé indiquait de la respiration, virgule, et par conséquent de la vie, point. Le couloir où Jean Valjean cheminait maintenant était moins étroit que le premier. Point. Jean Valjean, donc Jean, c'est un nom propre majuscule, Valjean est un autre nom propre, donc de nouveau majuscule. Il marchait assez péniblement. Point. Les pluies de la veille n'étaient pas encore écoulées et faisait un petit torrent au centre du radier. Alors, le radier, c'est le fond incurvé d'un égout. On va finir, donc radier, virgule, et il était forcé de se serrer contre le mur pour ne pas avoir les pieds dans l'eau. Point. Il allait ainsi ténébreusement, point.